Bonjour à tous, ici Cléa Sim et on se retrouve pour ce 43e épisode sur Crusader Kings 2 en tant que sultan d'Aquitaine. On s'était laissé dans le dernier épisode, je sais plus trop ce qu'on avait fait. Si, on avait fait la guerre contre la Bourgogne pour récupérer ces trois territoires-là et avoir un duc multiple fois, enfin un émir multiple fois émir, hein, puisqu'il est émir d'Alsace, de Haute-Bourgogne et de Bourgogne. Alors j'ai regardé également entre temps hein, ce qu'il me faudrait également pour obtenir l'Empire de France. Il faut savoir qu'actuellement il reste à peu près 14 territoires en France à récupérer. C'est ce qu'il me faudrait pour pouvoir créer l'Empire de France. Puisqu'il faut que je monte à peu près à 85 territoires, ce qui est plutôt pas mal, mais voilà, il manque pas tant que ça pour obtenir l'Empire. Et ensuite ben il faudra partir sur les différentes guerres qu'il y a autour. On a toujours le problème de parents décadents. Ben, nous sommes nous-mêmes décadents. On n'a pas vraiment le choix actuellement. Donc ça pose un petit peu problème, bien évidemment. Mais on va pouvoir se débrouiller, je pense. Dès qu'on sera plus malade, on pourra faire le ramadan, par exemple, qui permettra de baisser la décadence. On pourra toujours faire quelques guerres saintes, notamment une invasion qui permettra de baisser la décadence. On verra si notre fils lui aussi est décadent ou pas. Bien évidemment, hein, tous les personnages ne le sont pas. Donc en fonction, ça devrait aller. Donc pour le coup, bon, on a toujours une taille de domaine qui est trop importante, hein, mais ça c'est dû à la décadence, bien évidemment. Là je vois qu'il y a une guerre actuellement. Ce duc-là part pour récupérer la Normandie. Bah pourquoi pas, s'il récupère la Normandie, ça fera toujours ça de territoire en moins à récupérer pour moi. En tout cas, je comptais le donner aux ducs qui sont ici. Hein. Donc par exemple, donner peut-être la Normandie au duc de Poitou. Bon, ce sera pas le cas. Mais voilà, il y avait des possibilités quand même de donner les différents royaumes. Enfin, les différents émirats, pardon. Acquis de droit. Donc on va regrouper nos hommes et on va pouvoir attaquer. Oui, bon, courtisane qui est religieuse soumise, ça me passe un peu au-dessus. Ah bah oui, on va créer dans ces cas-là. Ah bah ça c'est bien ça. Donc on va le faire, on a suffisamment d'influence et on va pouvoir construire un laboratoire qui nous permettra d'augmenter. Donc c'est parti, on va pouvoir augmenter de ce côté-ci. Alors, soit on construit sur une enceinte gardée sur une île. Ouais, isolé sur une île, pourquoi pas, on va le faire, on va essayer, hein. Sincèrement, pourquoi pas. Et donc, je passe initié, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, ici on réussit de ce côté-ci. Attendez, excusez-moi, est-ce que je peux avoir les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que t'es intéressant? Non, toi je vais te bannir, clairement, t'as rien à faire ici, merci. Pour bien chauffer et transformer des métaux ou d'autres substances, j'ai besoin de fours de différentes températures. Je veux viser plus haut que tous ceux qui sont venus avant moi. Bah oui, allons-y, maximum. On est sur une île isolée, donc on peut se permettre de faire très grand, hein, pas de problème là-dessus. Sincèrement. Bah le verre est le plus durable, oui, on a l'argent, donc franchement, on n'est pas gêné. Par contre, là, ça passe pas du tout. Hein. Aux yeux d'un ignorant, le matériel de laboratoire peut paraître à la fois étranger. On n'écoute pas la populace. On moque de la populace, clairement. On prend le meilleur à chaque fois, hein, bien évidemment. On peut usurper le royaume de Bourgogne. Oui, bah, ça me passe un peu au-dessus pour l'instant. Euh,
Alors que je me suis retiré dans ma chambre, je suis étonné de trouver une version chiite du Coran sur mon lit. Au début, je pensais que quelqu'un avait l'intention de me piéger. Mais j'ai vu un petit mot à côté du gros volume. Je pense que vous trouverez ce passage intéressant. S'il vous plaît, donnez-lui une chance, signez quelqu'un qui vient en ami. Non, on veut pas devenir chiite, donc hors de question. On importe les meilleurs outils, bien évidemment. On veut être le meilleur alchimiste. Bien pointilleux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, on veut les meilleurs livres. Augmenter ma bibliothèque, s'il vous plaît. Ma piété est en train de augmenter de façon importante, ce qui fait qu'on pourra peut-être lancer bientôt une invasion de la France. L'ambition d'un sultan. Après des mois de travail acharné, une quantité considérable d'argent dépensé, le laboratoire de Ubaïd ibn Jibril Arabid est envié par quiconque souhaitant se plonger dans les secrets les plus profonds de l'existence. Ce centre d'alchimie lui permet d'effectuer toute expérience qui a été documentée et un témoignage de ses grandes ambitions dans le domaine. Ce qui est en haut, tel est en bas. Donc on gagne 30 points de technologie, économique pour le coup, de l'érudition. C'est très bien. Donc on a 200 points de savoir ésotérique en plus. On est toujours une menace pour le moment, mais ça me laisse le temps d'augmenter tranquillement ma piété. Un enfant. Alors j'ai ma fille qui a 6 ans. On va la faire venir en humilité, ce serait très bien. On va lui attribuer également un tuteur. Voilà, qui sera pas mal, je pense. Je suis à point 69. Les Templiers font leur apparition. Ça pose problème, ça. Il y en a de plus en plus. Non, mais l'Andalousie, je n'ai pas besoin de l'usurper pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Les Oumeyades sont en guerre. Ah d'accord, lui attaque pour le Périgord. Bah ça serait bien, ça nous ferait un territoire de plus dans l'Empire de France. Alors ça, je prendrais volontiers pour le coup. Et ils sont en guerre également contre cet homme-là qui veut revendiquer l'Hispanie, qui veut revendiquer l'Empire. Pour ce qui reste de l'Empire. Pourquoi pas. En tout cas, lui n'a pas l'air de réussir son coup. Ah si, 18%, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Il est pas au mieux. Ouais, d'accord, il a réussi à prendre le territoire de E. Deuxième révolte catholique. Elle est où cette révolte catholique? Allez, on se regroupe ici. Vous n'êtes pas assez nombreux. On avait une Sheikha de Valladolid. Elle devait pas être. Celui-ci peut être. Pourquoi? Hein? Oh, bon, c'est pas très grave ça. Ça marche. À noter qu'on va pouvoir lever notre nombre de chameaux. Ça va être intéressant par contre. Alors, toi, t'es pas trop mal, t'es plutôt vif et tout. On va essayer de te forcer à la conversion religieuse. Guerrier mal avisé pour cet homme-là. Ah, il s'est converti. C'est un homme qui est pas trop mal. Il est vivace. On va voir s'il peut nous servir. Et on a un enfant. Oh, une fille qui est vivace.
On va la faire partir sur de l'économie, pourquoi pas. Et on va lui assigner un tuteur. On va essayer de progresser. Ah ouais, il y avait 20 000 hommes quand même là sur le territoire. T'es en train de perdre ta guerre, hein, c'est ce que t'es en train de me dire. Ouais, c'est ça. T'es en train de perdre ta guerre, malheureusement. L'Avarie et la Lombardie se tiennent plutôt pas mal, hein, comme d'habitude. Ça a l'air d'aller assez bien pour eux. L'Empire de France a l'air de... Non, pas plus que ça, l'Empire de France. Si? Non, on a la Germanie qui s'est propagée dans la Scandinavie, mais... D'accord. De ce côté-ci, ben, c'est en train de perdre bien joyeusement. On a la chance d'avoir un enfant supplémentaire. Oh, on va lui enseigner le terrain plat, ouais, ça serait pas mal. On a ça au niveau du conseil? Non, c'est des recherches. On pourrait augmenter le légalisme d'ailleurs, je voulais l'augmenter pour passer des lois. Alors plusieurs m'ont demandé par exemple au niveau du conseil de passer la déclaration de guerre de ce côté-ci. Je ne peux pas encore, pas avant 1021. On réduira la puissance du conseil, comme ça je déclarerai les guerres que je veux sans trop de problèmes. On est bientôt à 1000 et quelques de... Ma belle-mère qui est décédée. Mon cher imam et frère dans l'ordre hermétique, Abdul Ghafour, a avancé l'idée d'un rituel qui pourrait invoquer la présence d'un être divin. La perspective de solliciter le divin prend pour la connaissance est attirante. Ben, on a quelques objets, donc on va lui donner quelques ingrédients. Vu qu'on les a, autant les utiliser, hein. Mais non, ils tueront pas mon fils, calmez-vous. L'invocation divine. Alors, est-ce qu'on essaye le soleil, les étoiles, les dieux ou les secrets cachés du monde? On va essayer le soleil, tiens, pourquoi pas. On l'avait pas essayé, je crois, encore. Il a perdu son cimetière supérieur. Ah bah, c'est triste pour toi. Et je gagne de l'intendance. Bah, c'est bien ça. Alors, l'être divin m'a donné des conseils énigmatiques sur l'alchimie dans ses nombreuses formes. Mais en y ayant réfléchi, je crois que j'ai compris ce qu'il signifiait. Je suis impatient de mettre à profit. Bah, plus d'intendance, ça me permettra au moins de calmer la taille du domaine. Cette jeune fille devient guerrier mal avisé. Ouais, ça me passe un peu au-dessus quand même. D'ailleurs, on a des prisonniers qu'on peut revendre. À ce niveau-là, est-ce qu'on a réussi à augmenter la richesse de Barcelone? Ouais, ça augmente un petit peu. J'avais dit d'augmenter mon nombre de chameaux dans mes escortes. Voilà, comme ça on va monter à 4000 chameaux. Ça va faire du monde. Et on a un petit Farouk qui vient de naître. Voilà. Et nous sommes à 1000. Alors, en termes de piété, on est bien. Lui déclare la guerre à la France pour obtenir Valois. Il veut obtenir le Valois. Duché de Valois, c'est lequel? Ah d'accord, il veut obtenir le duché de Paris. Ok, ça marche. Donc bah, la France se prend une deuxième guerre, hein, pour le coup. Moi, en termes de menaces, je suis à 14%. Est-ce qu'on a une grosse coalition contre nous? Non, on a que la France et la Bourgogne. La France et la Bourgogne... Je me
pense pas que j'ai vraiment à m'en soucier. Donc on va faire une invasion de la France directement. Ah si d'accord, il y a aussi la Bavière, mais la Bavière est ici. Enfin la Bavière a ses propres soucis apparemment. Et la papauté. Alors on va attendre un petit peu dans ce cas-là. Il n'y a pas mort d'homme. On peut se permettre, je pense, d'attendre un petit peu. Et puis on verra pour récompenser. Est-ce que t'es intéressant, toi? Oui, t'es plutôt intéressant. Non, bah non, je veux pas qu'il récupère. C'est dommage, on pourrait récupérer des hommes intéressants, mais ils veulent lui donner mes titres, ce qui est hors de question, très clairement. Moi, je suis toujours malade. Est-ce que je peux avoir un traitement pour essayer de faire d'enlever ma grande vérole là? Ça serait sympa. Une guerre de tyrannie ici. Et au niveau de la société des hermétistes, je suis bientôt capable. Allez, rechercher un traitement médical, oui. Ok. Alors, en termes de conseiller, il me faut un conseiller, d'accord. Alors, j'avais des ducs qui étaient assez puissants, notamment ici un loyaliste. Lui, il est plutôt... non, bah, il serait pas content, donc c'est hors de question. Enfin, il veut faire partie du conseil, mais... Toi, t'es duc de quoi? Émir de Tolède et de Aragon. Toi, t'es émir d'Algarve et de Séville. On va prendre cet homme-là. Les autres vont pas être contents, mais ça me passe un peu au-dessus. Par contre, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on va bientôt être capable, le 31 janvier de l'année prochaine, de passer cet élément-là. Ma menace diminue. Bon, il gagne un peu de santé, mais on a toujours la maladie, malheureusement. Ouais, la France est pas bien, hein, et ça se sent. Donc, l'émir reprend du pouvoir puisqu'il a pris des territoires en Normandie. On n'est plus humble, pardon. L'humilité, on a perdu le fait d'être humble. Non, je vous donne pas de territoire, arrêtez tout de suite. Petite Kamala vient de naître. On est à 45% de décadence, ça monte trop vite. Ça commence à être effrayant. Vraiment. Ça commence à être sacrément effrayant. Alors soit on meurt rapidement, soit on trouve un moyen de faire tomber notre décadence. Alors on peut avoir au bout d'un moment la mission vaincre la décadence. Mais pour l'instant... Le fait que je sois chef de dynastie et en plus décadent, ça ne m'aide pas beaucoup, vraiment. Et je peux pas faire le ramadan parce que je suis malade, donc... Ça aide pas des masses. Allez, 9.4. Est-ce que y en a qui ont quitté encore le pacte défensif contre moi? Ok, bah si c'est que la papauté et bah, franchement, si c'est que ça, moi ça me dérange pas du tout en fait. Alors on va laisser passer, on va finir l'épisode, on va voir un petit peu comment se passent ces guerres ici. Ouais, on va aller voir des écrits hermétiques. Pour 200 points, je prends. Est-ce
Est-ce qu'on a tous nos chameaux? Ah non, pour 3000, on n'est pas encore à... Je pensais 4000, mais non. On va pas avoir assez de chameaux. Bah tiens, si on va pas avoir assez de chameaux, 1, 2, 3, 4. Et voilà, comme ça on monte à 4000 chameaux. On va se balader avec une troupe de chameaux. Il a 15. Mon intendant, il a 15. Ah, elle qui se propose. Pourquoi elle veut pas? Bah oui, vas-y, deviens. Ok, on va pouvoir monter encore d'influence. S'amuser. Alors, on a un enfant, notre petit Muzaffar ad-Din, qui est monté sur le trône. On va en faire un bon guerrier, ce sera très bien. Et on va lui attribuer un tuteur, vu qu'on veut en faire un guerrier. Je suis une menace de l'ordre de 8,1%, ce qui est tout à fait acceptable. Oui. Je suis devenu adepte de la société. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'être adepte? Pour le coup, normalement, je dois pouvoir prédire l'avenir, même éviter de devenir anxieux. Je peux combattre l'anxiété, je crois. Bah, battons-nous, allez! Plus 2 de compétences martiales, bah, c'est pas mal. En plus, on a gagné un peu de prestige, donc... je viens de récupérer... Bourbon a perdu le duché d'Anjou. Semble-t-il. Dans mon royaume, il y en a qui sont pas contents. Ah, il y en a qui veulent carrément mettre le Bajda, mon cousin, sur mon trône. Ah bah pas bien, non? Alors là, alors, je deviens dépressif, c'est ça? Est-ce que je peux combattre ma propre... Ah, je peux me suicider, d'accord. Je me demande si on le ferait pas, rien que pour avoir la décadence qui diminue en fait. Mais on va juste attendre de pouvoir déclarer cette guerre là. Viens bien chahuteur opiniâtre, on va t'assigner un tuteur. Un guerrier. C'est bon, les bédouines. Ok, on devient sympathique pour les différents traits autres. Par contre, ça baisse le moral des troupes, ça c'est désagréable. Alors, est-ce que j'ai des éléments pour... Non, je peux toujours pas observer le ramadan, hein, parce que je suis malade. Ok. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode, comme ça dans l'épisode prochain, on fait l'invasion de la France, pour le coup. On devrait avoir suffisamment d'armées, je pense. Il va certainement y avoir la Germanie qui va venir, la Varie, la Lombardie, on verra un petit peu tout ça. C'est pas vraiment un gros souci. On a quand même 47 000 troupes, on devrait pouvoir prendre la France sans trop de soucis. Donc j'espère en tout cas, excusez-moi, que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo, et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !